Bonjour, je vais vous présenter Honey Blue de Niko Mitsuki aux éditions Panini Manga. Alors, en fait, dans le quartier où vit Hinata, il y a des jeunes filles qui se sont agressées et ses camarades de classe pensent que c'est un vampire qui a fait ça. Mais elle ne pense pas et son ami, une de ses meilleures amies, ne pense pas que c'est un vampire car dans les histoires de vampires, les vampires sont gentils, beaux, trop agressifs. Donc elle dit que non, c'est pas possible. Que dans le livre de Junya Tokinaga, un écrivain réputé, que c'est pas comme ça, que c'est impossible que ce soit un vampire parce que ils sont gentils, ils sont beaux, ils sont serviables, voilà. Et donc elle trouve ça un peu bizarre quand même, son amie, qu'elle dit ça. Et justement cet écrivain, il va être son voisin. Et sa mère, qui est aussi fan de ce livre, va lui demander de lui donner le service, il a besoin d'aide. Mais elle aime pas du tout. Elle a un mauvais pressentiment. Et elle veut pas lui donner le service ou autre chose. Mais lui, elle va se rendre compte peu à peu qu'elle a des sentiments pour lui, qu'elle va le suivre et. Voilà. Alors moi, c'était une histoire un peu banale, je trouve. Une histoire de vampire, bon, il y en a des tonnes et des tonnes. Une fille qui tombe amoureuse des vampires, oh là là, c'est. Comme c'est. Ça arrive tout le temps, c'est pas quelque chose de très. De nouveau. Puis les dessins sont plutôt. Sont banals. Il n'y a pas grand chose à en tirer plus. On peut lire pour le plaisir, mais sinon, s'il n'y a pas grand chose d'autre, c'est pas vraiment un truc qu'on fait waouh, c'est génial, faut vraiment que le lire, faut que je le présente à tous mes amis et tout, ils vont adorer. Mais non, là, c'est un livre, c'est un manga qui est cool, qui pour se descendre, c'est sympa, mais sinon, sans plus, sans moins quoi. Donc vous pouvez lire si ça vous plaisait, mais sinon, je sais pas quoi.